Considérez ce texte comme une explosion qui dégage la véracité de ma cité pour ne citer que cela est un plomb, est un pont de bing-bong et de ping-pong. Considérez ce texte comme un esprit de Thanos habité dans un poème d'Hepatia. Considérez ce texte pas comme mon texte, mais celui du soleil qui empointe mon être comme fenêtre. Considérez ce texte comme un Saint-Esprit habité dans un démon. Considérez-le comme un miroir apporté par les dieux expliquant le silence implicite du temps trompeur, comme une bombe à petit feu. Ici-bas, la vie n'est pas celle que vous voyez. Celle qui vous voit, et tout est une question de montage. Car le monde est un projet projeté par les projecteurs qui donnent des projectiles avec un baiser doux comme projection. Ici-bas, on ne donne pas de cadeau. On le prend. L'heure est une question de stratagème, où les stratèges transforment le vide en stratégie. Ici-bas, James Monroe n'est pas mort. Il est vivant derrière les murs. Amérique aux Américains. Belle blague. Depuis l'univers est vert, les jaunes ne donnent jamais je t'aime par amour, ni pour un rien, ni par pitié. Ici-bas, je t'aime est un deal. Ici-bas, je t'aime, c'est signer son arrêt de mort. Alors, bienvenue en enfer. Là où la santé est malade à l'hôpital général. Bienvenue en enfer, là dans chaque tête d'un élève, il y a un passeport comme carnet. Bienvenue dans le temps où chaque seconde crée des cadavres et il nous dit je t'aime, avec une balle dans la tête. Depuis quand le mal fini aimait les poules? Depuis quand la nuit aimait l'ampoule? Depuis quand Monroe voulait que ça roule? Depuis quand l'alcool évite d'être sous? Ouais, je suis le soulard qui soulard. Regardez. Regardez bien là-haut. Et vous verrez que le mensonge est roi. Et la vérité est folle. On vous pisse dessus. Et on vous dit que c'est la pluie qui tombe. On vous donne des balles. Et on vous demande de danser. De danser quoi? Des balles de 12? Hein? Des balles de 92, là où la conquête de l'Amérique et la colonisation européenne ont éradiqué le peuple autochtone du continent. Danser des balles de 1492, où les épidermes blanches ont massacré les Indiens sur le sol en disant qu'elles les auront emmenés dans le ciel. Évidemment, elles les emmenaient dans le ciel qui est sous la terre. Plus de 100 millions de vies ont été mangées par Christophe Colomb, comme l'a qualifié le professeur David Stannard, Holocauste américain. Près de 35 millions d'hommes ont été réduits en esclavage dans le Nouveau Monde parce qu'ils étaient africains, sans oublier les génocides, le massacre racial de Tulsa, sans oublier les guerres de Vietnam où 400 000 personnes sont mortes. 500 000 enfants nés avec des handicaps à cause du gaz chimique lancé par les Américains. Oui, tout ça, c'est au nom de l'amour, hein. Je vous aime. Comme un démon. La question bête que je me demande, c'est que... Pourquoi cette application? Pourquoi cette implication? N'est-ce pas la genèse de l'apocalypse, hein? Drôle. Non, 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 non. Ici, je vous demande pas de rester. Non, non. Là-bas, chez les aigles, je ne vous demande pas aussi d'y aller. Ouais. Je sais ici, ça saigne. Je sais, je suis. Je saigne, je signe. Je sais ici, on danse avec la mort. On rit avec la mort. On vit avec la mort. Et on meurt avec la mort. Et nos policiers tombent comme de la pluie. Frère contre frère, ici,
Ici, le cimetière marche ni sous le soleil ni sous la pluie avec son barbecue comme plat du jour. Ici, le cimetière marche avec son iso lentement et le coin ne passe pas. Ici, le cimetière donne à la croix des bouquets de fleurs noires et des figues bananes aux petits macaques. Moi, je pardonne ces frères. Ces frères qui ne comprennent pas le jeu de l'existence et qui créent l'autodestruction. Moi, je pardonne ces frères comme Dieu pardonne les blancs qui ont fait le bombardement de l'Hiroshima, qui ont fait le massacre des nègres. Je les pardonne. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais je hais les politiciens qui habitent le palais, les mangeurs de rêves qui piquent et qui crèvent, ces démons qui se lèvent et qui transforment mon paradis en enfer avec leurs œuvres. Moi, je les hais. Pff. Mon paradis, là où les dieux descendaient. Terre où les secrets ne sont pas discrets. Terre de richesse, terre d'iridium, de l'or à Milo, du pétrole à Cité Soleil, du cuivre qui n'est pas ivre, à l'île de la tortue, diamant au Gonaïve, 49% de millions de tonnes d'aluminium à Miraquan. Peut-être il y a une bonne raison pour nous embrasser afin de nous débarrasser. Ne vous demandez jamais pourquoi le Wakanda du film Black Panther à la fin venait en Haïti. Ne vous demandez jamais pourquoi Will Smith a avoué son origine à la dernière heure de l'horloge. Ne vous demandez jamais pourquoi le projet de l'Aigle vise 30 000 déplacements pour emploi et non 30 000 bourses d'études. Ne vous demandez jamais pourquoi Haïti et l'Afrique n'ont pas été touchés par le coronavirus. Ouais, ils savent. Ils savent qu'on est la terre de l'inconnu, la terre incomprise, la terre de la magie magique. Cette terre qui s'épanouira de l'apocalypse. C'est peut-être pour cette raison ils veulent nous embrasser pour nous débarrasser. Ici, je ne vous demande pas d'y rester. Là-bas, chez les aigles, je ne vous demande pas aussi d'y aller. Mais je veux seulement que vous vous demandiez qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Recevez ce texte comme l'Apocalypse expliquant que l'avenir pourrait être regrettable. Ainsi, je vous souhaite joyeuse fin du monde. Vance le penseur.